Bonjour, alors je suis en présence aujourd'hui de Laurine Buchier qui est psychologue clinicienne, psychothérapeute et formatrice dans le champ des thérapies comportementales, cognitives, émotionnelles. Laurine va animer une conférence durant le sommet, une semaine pour ma famille, sur les outils et des ressources pour les parents, comment soutenir la santé mentale des parents. Laurine, merci pour ta présence à ce sommet. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce sur quoi tu vas te baser pour nous transmettre ces outils et ressources pour les parents? Oui, merci déjà pour cette invitation. Donc, je suis ravie de pouvoir participer à ce sommet. Et concernant donc ma présentation, je pense proposer une présentation du champ de la psychologie positive, donc qui est la science qui étudie les conditions d'accès à l'épanouissement, au bien-être, quelles que soient nos ressources de base, quelle que soit notre situation. Et donc, dans le champ de la parentalité, on a des programmes qui ont été développés qui permettent d'apporter des outils spécifiques aux parents, qu'ils soient dans des situations plus ou moins simples, pour pouvoir justement travailler dans notre quotidien des petites choses applicables qui nous permettent d'accéder à nos ressources notamment. Bien, la parentalité, du coup, ça veut dire qu'on peut la développer, l'apprendre, se doter d'outils, c'est un petit peu ça l'idée? Oui, absolument. Et donc, ce sont des recherches qui ont mis en avant des éléments qui nous permettent, en tant qu'individus, de développer nos propres ressources, mais également dans nos relations aux autres et dans un contexte plus vaste. Et donc, dans la parentalité, on a bien ces trois dimensions qui sont actives, puisque on est d'abord une personne, puis on interagit dans notre famille avec nos enfants et dans un système plus vaste. Et donc, ça nous permet d'avoir des connaissances et des pratiques pour expérimenter ce qui nous convient réellement et donc de pouvoir prendre soin de soi en tant que parent, mais également de nos relations intrafamiliales et également de corréler ça avec des valeurs personnelles qui nous sont fortes au niveau sociétal, environnemental par exemple. Oui, ce ne sont pas seulement des ressources qui vont être utiles par rapport, par exemple, à l'intervention éducative avec les enfants. Tu parlais de prendre soin de soi. On a parlé dans le titre de santé mentale. En quoi le fait de choisir plutôt tel type d'outil d'intervention plutôt que d'autres participe à prendre soin de soi? En quoi ça peut, je dirais, peser en faveur de la santé mentale quand on est parent? Alors par expérience professionnelle, notamment d'accompagnement de parents, on repère souvent une mise à distance de ce qu'on peut faire pour soi, du temps pour soi, pour sa famille, pour ses enfants. Et par moment, donc, c'est important de reprendre ces moments-là pour pouvoir justement donc prendre soin de soi. C'est après être bien avec les autres aussi. On utilise souvent la métaphore du masque à oxygène que vous connaissez peut-être. Dans un avion, on a les masques à oxygène qui tombent et donc on va se le mettre à soi avant de le mettre à la personne à côté ou à l'enfant, pas par égoïsme, mais pour se dire que si moi je suis ressourcée, je peux plus aider les autres, être disponible. Et on a parfois tendance à d'abord faire en fonction des autres ou que en fonction des autres et se laisser un peu de côté. L'idée des pratiques que je peux proposer, ça n'est pas de passer d'un état à l'autre complètement, mais c'est davantage de trouver un équilibre qui nous convient et à choisir ce qui est bon pour soi avec des pratiques et outils donc pour soi personnellement, mais qui de fait ont une influence sur nos relations aux autres, à nos enfants, et des pratiques aussi spécifiques sur le lien à nos enfants, par exemple. Ça peut aussi être pertinent de les travailler spécifiquement. Et donc, du coup, durant la conférence que tu vas animer, tu vas nous donner des outils bien concrets que tu vas présenter et que l'on pourra utiliser, j'ai envie de dire, d'ores et déjà, dès après la conférence, c'est ça? C'est ça. Alors, je vais vous présenter des outils qui sont issus d'un programme qui a été validé en psychologie positive, et les recherches actuelles
ont travaillé sur justement l'adaptation de ce programme, notamment dans le cadre de la parentalité. Et donc, je vais présenter des types de pratiques qu'on propose pour que ce soit possible donc, de les expérimenter chez soi au quotidien. Et puis, si besoin d'aller plus loin, il y a un ouvrage qui a été édité sur ce programme-là, par exemple, où on pourra retrouver des pratiques, des outils. Et puis, c'est surtout une porte d'entrée pour pouvoir amorcer aussi sur des réflexions sur comment j'investis les activités du quotidien. Est-ce que justement je prends suffisamment ce temps pour moi? Est-ce que je peux faire un pas de côté parfois? De quoi j'ai besoin? Quelles sont mes ressources personnelles? On a aussi tendance à davantage voir nos difficultés, nos manquements, les éléments qui ne nous conviennent pas dans notre quotidien. Et ça nous permet aussi, ce type de pratique, de réorienter notre attention aussi sur nos ressources, sur les forces de notre environnement, sur ce qui nous convient et de s'appuyer dessus pour traverser les difficultés. Bon, et bien, en tout cas, pour ma part, j'ai hâte de retrouver sur cette conférence qui promet d'être riche. Encore merci pour ta participation et n'hésitez pas à vous inscrire à la conférence. Vous trouverez le lien sous cette petite vidéo. À bientôt, Laurine. Merci, à très bientôt.